Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo. Vous certainement vous ne devinez pas avec qui je suis. C'est un nouveau Turc, voilà. Ou du moins un étudiant africain en Turquie. Vous ne le reconnaissez certainement pas, mais nous allons converser en turc. Il va juste vous dire bonjour pendant quelques secondes. Et après, nous allons vous faire un petit coucou et nous allons nous séparer. Merhaba arkadaşlar. Bugün bizim öğrencim ziyaret ettim bugün. Yeni geldi. Koronavirüs yüzünden Kamerun'da o kaldı. Ama şimdi yeni geldi. Biz çok mutluyuz. Okay. Vous voyez, est-ce que vous avez reconnu Dili? Dili qui est venu du Sénégal juste avant que je ne parte au Cameroun au mois de janvier. Et là, Dili, il est totalement transformé. Il suit ses cours de turc, il parle déjà très bien la langue, il se débrouille très bien. Il est très bien intégré à Istanbul. J'ai retrouvé quelqu'un de... On dirait même qu'il connaît déjà la Turquie mieux que moi. Donc, il y a même des tuyaux que c'est lui qui est en train de me montrer maintenant. Non, pas encore. Bon, c'est lui qui nous a montré le chemin. Et... Donc, très fier de lui. Mais au niveau de... Parce que là, tu fais des choses vraiment au niveau de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que tu t'y prends? Tu entreprends déjà quand même comme tu fais pas. Oui, on a essayé de faire de petites choses pour essayer de... Comme ici, bon, comme le système il est un peu différent avec l'Europe, ce qu'on peut faire c'est avec le business un peu, envoyer des marchandises. Est-ce que tu gagnes déjà quand même de l'argent un peu quand même pour te dépanner un peu? Pas beaucoup, mais quand même, tu apprends beaucoup plus quoi. Oui, et j'apprends beaucoup parce qu'ici les marchandises sont moins chères. C'est une ville de commerce et de business aussi. Car les touristes, c'est toujours étonné avec les trucs que tu vois. Donc, à chaque fois que tu vois des trucs, tu deviens fou. Oui. Et j'essaie de me renseigner quelle opportunité je pourrais prendre comme ça. Wow. De Sénégal de ici. Mais il ne faut pas que l'argent te fasse oublier l'école. Non. Ça n'arrivera pas. Parce que j'aime beaucoup les études. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est pour cela que j'essaie de faire des efforts sur la langue et sur les universités aussi. Ok, et puis déjà, félicitations et je te dois un cadeau. Hein. Oui, oui. Je vais te donner ton cadeau plus tard. D'accord. Je te dois un cadeau parce que tu as réussi le concours d'une des plus difficile université, hein, d'une des plus coriaces universités en Turquie. Tu as eu ce concours là, tu as été admis là-bas et franchement j'ai promis de te donner un cadeau. Je vais te contacter pour ton cadeau. D'accord. Je ne te dis pas encore ce que c'est. J'ai discuté avec un partenaire. Nous irons là-bas ensemble et on va t'offrir ton cadeau. Tout est en ligne, je suis là, on trouvera du temps pour organiser ça. Donc je peux déjà te dire que je te dois un cadeau parce que tu as réussi au concours d'entrée à Yıldız Teknik Üniversitesi. C'est une université très prisée et le fait d'avoir réussi à ce concours-là, tu t'es même pas vraiment préparé quoi. Tu t'es même pas vraiment préparé. Et même les Turcs, c'est pas tout le monde qui a accès à cette université. Pourtant, toi, tu as pu le faire sans même te préparer. Ok, donc merci. Je vais te raccompagner. Donc, il m'a rendu une petite visite et là, je vais le raccompagner. Merci beaucoup pour la nourriture et tout ce que vous avez fait. Non, écoute, c'est rien. Tu es juste un petit frère. C'est rien du tout. Tu es un petit frère, nos relations c'est du petit frère à grand frère, donc c'est ça. Et puis je pense que nous allons implémenter autant que possible tous ces projets que nous avons pour le Sénégal. Parce que là maintenant toi tu es un ambassadeur, du Sénégal en Turquie et tu es un ambassadeur de ENG Consulting au Sénégal aussi. C'est ça qui est à vérité. Donc voilà, merci, c'était Dili.
notre ami ingénieur qui est venu du Sénégal, le futur ingénieur, mais moi je t'appelle déjà ingénieur parce que ça va trop vite. Toi, ok. Bon, maintenant, puisque je suis sûr que vous doutez, vous dites que non, c'est trop facile, c'est sûr qu'il ne parle pas le truc. Ok, on va vous faire une démonstration. La langue aussi. Ok, Nasil Gidio. İyi gidiyor şimdi. Çok iyi, gidiyor. Evet, çok iyi. Zaten. Çünkü korona biraz bitti yani. Türkiye nasıl görüyorsun? Çok büyük bir şehir yani. Çok büyük şehir. İstanbul büyük bir şehir. Büyük bir şehir. Evet. Çünkü çok turist var. Evet. Ziyafetler. Ve hepsi her şey büyük. Büyük. Her şey büyük çünkü. Nasıl karşılaşıyorsunuz? Dakar ve İstanbul. Nasıl? Çok farkı var. Çok farkı var. Biliyorsun sen, biliyorsun. Çünkü Afrika'da ve burada çok farkı var. Metro, çok tramvay, metro, büyük tramvay, binalar. Metrobüs, büyük binalar. Her şey. Vapur. Vapur. Evet. Vapur. Aziyada evet aldım. Çok tane. Birinci defa nasıl? Birinci. Çok iyiydi. Evet. Çünkü yani Eminönü'nden evet. Uskudara gittim. Evet, Uskudara gittim. Ziyahat gibi. Ben ve bir arkadaşım. Şahibu evet. Bakke. Çok güzel oldu değil mi? Selam söyle Şahibu. Kim? Şahibu. O bir Senegalci ama sadece turist yani burada geçtim. Biraz gün önce sadece. Okey, anlıyorum. Ama bir aile. Aynı aile. Senegal'la geri döndü mü? Geri döndü. Fransa'da sonra Senegal. Sonra sınırlar kapat. Okey, iyi akşamlar kardeşim. Siz biraz. Okey, bon merci. Et on vous retrouve très bientôt. Vous voyez que c'est facile. Il est à peine là, mais aujourd'hui, il s'exprime très bien en turc et il vous dit même bonjour en turc. On discute en turc. Donc maintenant, on parle rarement le français. Mois, hein. En quelques mois, juste, on ne parle même plus le français, on parle seulement en turc. Donc voilà, au revoir et à très bientôt. Bientôt, ça sera votre tour. Ricky, bientôt, ça sera ton tour. Nous t'attendons ici, quoi. Bien, Ricky. Au revoir. D'accord. Là, c'est le temple des marques à Istanbul. Il y a tout un immeuble. Quand vous entrez là-bas, ce sont que des marques. Ce sont que des marques, comme vous voyez là. C'est la folie. C'est le temple des marques. Et de très bonne qualité. Là, je vous assure. Et ici, c'est un magasin partenaire. C'est-à-dire que c'est des fournisseurs que vous allez trouver dans le pack fournisseur de ENG Consulting qui propose cette tenue-là. Donc, vous aurez l'occasion de les contacter directement et d'avoir les prix directs que eux vont vous communiquer. Donc, c'est très innovant ce pack fournisseur. Et rendez-vous du 1er au 10 décembre à Istanbul pour le business voyage que ENG Consulting organise pour vous. Désormais, nous allons faire une bonne collaboration entre la Turquie, l'Afrique et l'Europe. Beaucoup plus les Africains qui vivent en Europe ou en Amérique ou au Canada. Investissons en Afrique, comptons sur les pays émergents pour relancer les business que nous pouvons faire en Afrique. C'est ça mon leitmotiv. Au revoir.